Bonjour mes petites soeurs, j'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui c'est un petit peu pas comme d'habitude, mais on va faire avec. Je suis un peu barbouillée, voilà. J'espère que vous n'allez pas entendre toutes les voitures et les musiques qui se passent dehors, parce que à chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a toujours plein de trucs. J'ai l'autre voisine en face qui fout sa musique à fond, mais enfin soit, on n'est pas là pour ça. J'espère que vous allez bien. Moi je vais, voilà, enfin vous savez, et on est là pour ouvrir la box du petit colibri. Voilà, je viens de la recevoir ce matin, enfin cet après-midi. Du coup, je voulais l'ouvrir avec vous comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, cette fois-ci, on a un papier un peu orangé. Vous, ça fait orange, enfin rouge, mais c'est orangé. Du coup, pour la petite premier goodies, on a une pochette pour mettre son téléphone dedans. Oh, il est bien fermé, je crois. Ah, ça y est, voilà. On met ce téléphone dedans et on le replie. Maintenant, est-ce que ça va bien tenir dans l'eau? Ça, j'ai un autre doute. Voilà. Le deuxième goodie, c'est une petite pochette. Elle est trop mignonne. Qui est la lecture commence les yeux fermés. Et le nom, c'est où? Veve? Je sais pas, franchement le nom là en dessous, je sais pas le lire. Elle est très belle, unique. Il y a deux floches pour la fermer. Voilà. Après, on a nos petits marque-pages. Je pense que pour le moment, on a toujours les mêmes box. Faudrait quand même qu'ils se renouvellent un petit peu. Quand je pense à toutes les licences qu'il ne reste à Pline, j'ai la chance d'être encore heureux. J'ai pas un petit texte là, mais voilà, deux marque-pages comme d'habitude. Mais c'est pas ça qui nous on veut, c'est ça. Du coup, voilà, je ferme la box à côté et j'ai le petit sachet. C'est pas gros, je sais pas si vous voyez, c'est pas gros, c'est pas gros du tout. Du coup, je vois deux livres comme ça. Ce sont pas de gros livres, c'est pas des gros livres. Du coup, on prend le premier au hasard, je sais pas lequel prendre. Je prends le premier, hop, hop. Ah ouais. De Gabriel, je vous avais montré il y a pas longtemps que j'avais acheté l'autre. De E.T. Love. Ça parle d'un jeu vidéo, enfin ça vient d'un jeu vidéo si je me souviens, si je dis pas de bêtises. Il y en a plusieurs. Mais moi je les vends en poche. C'est plus facile. Et alors que je sais pas le nom là. Est en retard pour son premier jour de travail. Une carte corporation d'un grand entreprise de New York. Dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée. Elle croit le chemin d'une insupportable personnage qui lui fait prendre le temps précieux, ainsi que son calme en arrivant au bureau avec plus qu'une heure de retard. On lui présente son manager qui n'est autre que son responsable de son arrivée tardive. Il va prendre un malin plaisir de faire planter le doute sur son éventuel renvoi. Lorsque je mets en place un jeu de mélange, séduction et provocation. Ouais. Et je vous ai pas dit, c'est Claire Zamora. De Hugo Poche, New Roman. Il est trop beau, tout simple mais beau. Alors on va regarder le deuxième. Hop, je le remets, je vous le montre. Il est beau aussi de voir ce que je vois là dans le. Alors quand les
astro se mêle. Attention, plus attention des planètes. Ah, ça me plaît bien parce que j'aime bien les astros. Il est beau, j'aime bien la couverture de Mini Drac. Je connais pas Drac. De chez Pocket. Si vous m'entendez faire un renvoi, je suis désolée. C'est parce que mon estomac est vraiment pas bien. Et du coup, pour digérer, je fais beaucoup de renvois pour le moment. Il est écrit petit. Je sais pas si vous allez voir, vraiment petit. Alors, comme tous les Verseaux, Mick croit à son étoile. Un jour, il devra un comédien célèbre. Il lui suffira pour cela de suivre à la lettre de recommandation des astrolopes. Les noms. Ce qu'il ignore en revanche, c'est que Justin, son amoureux d'enfance depuis longtemps, perdu de vue d'œil comme stagiaire au journal d'étoiles, et Sagittaire chrétien, celle-ci ne recule devant rien pour obtenir ce qu'elle veut réaliser. Pour bon, leurs deux planètes, autrement dire, en rédivant, rival, à la sauce et précision les arcs. Un coup de pouce du destin qui risque fort de révolutionner la galaxie. Ouais. Pourquoi pas. Traduit en anglais Autriche par Eva Motisma. Ouais, il est beau aussi, j'aime bien. La couverture est magnifique. Ça me tombe bien. Oui. Oh, les débuts de chapitre sont pas l'air mal. J'ai vu qu'il y avait une petite étoile. Je sais pas si vous allez voir, là il y a une petite... C'est pas un point, d'habitude c'est un point, mais ici c'est une petite étoile. Elle a l'air pas mal. Il y a même des... Oh, ça va aller par signe, je sais pas si vous allez voir. Là c'est bélier. Oh, ça va aller par signe. On va voir. Je voulais aller plus loin, mais là, il n'y a rien. Y a rien. Mais je viens de voir un truc. Des fois, j'ai l'impression de bugger. Vous voyez, il y a des petits signes. Là, c'est quoi? Verseau. Ça doit être elle. Enfin, je sais pas. Ou lui. C'est lui, Verseau. Ouais. Ah, là, il y en avait encore un. Ouais, Capricorne. Ouais, ça va aller par signe. On verra ça. Je vous dirai en plus en longueur. Et en même temps, je voulais vous montrer parce que je viens de me l'avoir en même temps que la box. J'avais commandé un livre et je viens de le recevoir. Du coup, je vous le montre. Comme ça, vous l'aurez vu. C'est Dance and Twiver. Moi, il est anglais. Il est trop beau, j'aime bien la couvre. C'est du fantastique si je me trompe pas. Ouais, la bibliothèque fantastique. Hop, j'ai un poil déjà de mon chat. Je vais lire la quatrième de couvre. Une autre fois, gamine des rues quasi de Burneville est devenue une garde. Gaston, nombreux de la galère et l'héritier de la reine de Vanda. À la poursuite d'un crime recherché par la couronne, elle se rend au Curne, au Dor, les autres royaumes. Mais la belle Jean qui contrôle les régions ne voyez pas une bonne oeil intercution. Ouais, ça a l'air pas mal. Je l'ai procuré, il me le fallait. Du coup, voilà, je me lirai ça prochainement. Je sais pas quand, parce que j'en ai tellement que je voudrais lire. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire lequel livre vous
préférée, surtout dans ces deux-là, que je viens d'avoir. Voilà. Moi, les deux me tentent. J'ai même pas regardé les pages qui font. Gabriel, il fait combien? 300. Une trentaine. Allez, Gabriel. Oh. 330 pages pour Gabriel. Et pour l'autre. Un peu plus quand même. J'ai le OK maintenant. 493 pages. Voilà. Et pour celui-là, donc on y est. Oh, j'ai le OK. Allez. Il y a toujours plein de pages blanches à la fin. 569. Ouais, 70 pages. Enfin, 570 pages. Il est trop beau surtout. Il est trop beau. J'ai même pas de quelle édition. La matière. Moi, bon, je sais pas. J'ai même pas regardé. Je viens de l'avoir, du coup, j'ai pas. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire. Lequel livre vous préférez. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.